Le géographe de Velázquez, pointant du doigt un globe terrestre, se retrouve dans le tableau de Brandvega comme un client choisissant du poisson sur un marché de Lima. Malgré l'aspect innocent de cette scène plaisante de la vie quotidienne, il faut voir derrière la figure du géographe, au sens figuré comme au sens propre, l'ombre du néocolonialisme. Car dans les transferts d'encre à gauche du personnage, on peut lire en espagnol « Bienvenue président Bush, vous êtes ici comme chez vous ». Ce message aux accents ouvertement néocolonialistes, publié par un fabricant de bonbons américains dans un grand quotidien péruvien en prévision de la visite de Bush au Pérou peu après les attentats du 11 septembre 2001, hautement irritant pour Brandvega, est à l'origine de ce tableau. Derrière la gitane de Hals, dont l'objet est de rappeler le passé hollandais de New York, d'autres transferts montrent les photos des terroristes des Tours Jumelles, ainsi que des articles relatifs à la guerre de Bush en Irak, afin de ne pas oublier les désastres de la guerre, rappelés sur la droite par les graffures de Los Caprichos de Goya.